Bonsoir tout le monde, bonsoir à ceux qui sont en live sur Twitch, bonsoir à ceux qui nous écouteront en replay sur YouTube. On revient avec un podcast GF38, j'ai l'impression que ça fait très longtemps qu'on n'en avait pas fait. Là l'occasion est bonne puisque on sort d'une petite série championnat et on va repartir sur un premier tour de Coupe de France pour le GF38 ce week-end. Donc on va aborder toutes ces questions. Merci Céline du coup pour le son. C'est tout bon, normalement ça devrait le faire. On teste en fait un nouveau petit logiciel sonore, donc c'est pour ça que je demandais des petits retours. Donc ce soir on va parler, vous avez le sommaire sous les yeux, hein, on va parler laborieux mais précieux, bien évidemment, c'est un retour sur la victoire de samedi dernier contre Dunkerque. On va parler du GF38 qui a intégré pour la première fois de la saison le top 10, puisqu'il est aujourd'hui 9e. On va se projeter un tout petit peu aussi sur la suite tout simplement, et notamment sur l'effectif. Alors on a beaucoup parlé de potentielle arrivée d'attaquants depuis l'été dernier, pour l'instant on n'a vu personne. Donc on va discuter de tout ça. Et enfin on a abordera ce premier tour de Coupe de France pour les Grenoblois qui se déplaceront à Saint-Cyr, enfin à Craponne ce samedi pour affronter Saint-Cyr Collonges au Mont-d'Or. Et pour en parler, on aura avec nous Flo qui va arriver dans quelques instants, Kevin qui va arriver dans quelques instants et l'ami Karel qui est déjà là. Salut Karel, comment vas-tu? Salut, salut Fred, salut tout le monde, ça va super et toi? Écoute, ça va pas mal aussi, ça va pas mal. On se prépare toi aussi hein, pour aller voir les petits espoirs au Stade de France. Pas encore, au Stade des Pas Alpes tout encore. à l'heure. Je sais pas si parmi nos auditeurs et les gens du chat, certains seront au Stade des Alpes ce soir pour aller voir l'équipe de France. Donc d'ailleurs, le podcast durera pas 3 heures hein, ce soir, je l'annonce tout de suite. On y mettra un terme assez rapidement pour pouvoir nous rendre au Stade des Alpes pour voir l'équipe de France qui affronte l'Arménie. Karel, si tu veux, on peut rentrer tout de suite dans le vif du sujet. En attendant que nos autres comparses arrivent, je te propose d'abord pour commencer de parler tout simplement de la victoire contre Dunkerque, savoir ce que tu en as pensé, quelles sont les choses positives à en retirer, éventuellement les choses que tu as un peu moins appréciées, et puis si tu veux nous faire un petit top flop, on peut y aller aussi. Déjà sur le résultat, forcément, il est satisfaisant avec la victoire, mais cette victoire, elle a été très longue à se dessiner samedi dernier. Ouais, c'est ça. Le résultat au final est là, les 3 points sont là. Donc j'ai envie de dire que dans notre situation, très clairement, on va pas cracher dessus et on va pas mettre forcément plus en avant la performance que les 3 points. Même si c'est important de parler de la performance, mais je veux dire que voilà, les 3 points sont quand même les bienvenus. Ensuite, ouais, bien sûr, il y a eu des points négatifs, tout comme il y a eu quelques points positifs aussi. Je pense que d'abord, je trouve qu'on fait une assez bonne entame. Des souvenirs que j'ai, voilà, il y a Anani qui a une belle occasion d'ouvrir le score, mais c'est sauvé quasiment sur la ligne par un défenseur dunkerquois. Je trouve qu'on avait mis un bon rythme, une bonne intensité dans les 15 premières minutes. Et ensuite, voilà, c'est un peu retombé. Après, j'ai l'impression que Dunkerque, malgré sa bonne série, n'était pas forcément venu pour faire le jeu. J'avais l'impression qu'ils étaient venus avec un peu aussi de crainte, même s'ils sont sur une bonne série, mais de la crainte en tout cas de perdre cette série-là et de venir au Stade des Alpes. Voilà, on en a déjà parlé plusieurs fois. Je pense qu'auprès des équipes de Ligue 2, ça commence à se savoir que c'est compliqué de venir jouer au Stade des Alpes depuis au moins 2 saisons. Déjà cette belle saison l'année dernière, et puis cette saison aussi, depuis qu'on est revenu de Gueugnon et qu'on rejoue au Stade des Alpes, on est compliqué à jouer. Donc j'avais l'impression que Dunkerque n'était pas forcément venu pour forcément prendre 3 points. J'avais l'impression qu'ils auraient pu se satisfaire de prendre un point. Et puis voilà, au final, on fait cette bonne entame. Ça retombe un peu au niveau du rythme. On se fait peut-être un peu aussi endormir par Dunkerque, mais voilà, il y avait moins de courses, moins d'intensité, moins d'actions dangereuses. J'ai trouvé que voilà, on était peut-être un peu moins entreprenant que dans les 15 premières minutes. Et puis voilà, ensuite il y a ce double carton jaune qui vient, cette exclusion. Le premier carton jaune est peut-être un peu sévère de là où je suis. Je sais pas ce que ça a donné à la télé, mais moi j'ai trouvé le premier carton jaune peut-être un peu sévère. Je trouve que peut-être que Frank Schneider se laisse un peu avoir par le bruit.
Mais j'ai l'impression qu'il est sur le ballon au début, mais bon, carton jaune, et ensuite il y a le deuxième carton jaune qui donne rouge, qui celui-là est plus mérité. Dès la première minute, pour moi. Le premier carton jaune, c'est presque, ouais, voilà, presque c'est la première action du match, effectivement. C'est on était un peu surpris, ouais. Effectivement, par le carton jaune. Alors, je ne sais pas si je l'ai revu moi en image, mais on m'a dit que visiblement le carton jaune était mérité. Après, okay. C'est vrai que le timing est toujours un peu particulier sur une première action. C'est rare qu'un arbitre sorte tout de suite la biscotte, surtout qu'il n'y a pas de contexte particulier. Tendu entre les deux clubs, entre les deux équipes, donc oui, c'était assez surprenant de mettre un jaune dès cette première action. On va juste rappeler Karel, parce que je crois que je ne l'ai pas fait, pour les gens qui reviendraient de Toscane par exemple et qui ne connaîtraient pas les résultats, que Grenoble s'est imposé 1-0 sur ce match avec un but 92e, 93e signé Loïc Nestor, c'est ça, en tout cas dans le temps additionnel. Donc voilà pourquoi on parle de laborieux mais précieux si jamais vous ne connaîtriez pas le résultat du match. Oui, du coup, je continue sur, oui. sur la deuxième. Et du coup, ouais, deuxième mi-temps, bah, on se dit que les choses vont peut-être se décanter parce qu'on est à 11 contre 10. Et puis au final, on part sur... moi, j'avais l'impression qu'on partait... Bah, ça a été le cas, on partait quand même sur une purge. On va pas se mentir, c'était pas un des matchs les plus spectaculaires de la saison. Voilà, avec Dunkerque qui jouait son match nul, et c'est bien normal déjà qu'à 11 contre 11, ils avaient pas l'air d'être venus avec forcément l'ambition de prendre les 3 points avant tout. Là, forcément, ils étaient là pour conserver le 0-0 et essayer de voler un point. Je crois que c'est ce qu'a dit Romain Revelli en conférence de presse, il me semble. Oui. Il a dit que c'était important de pouvoir voler un point quand ils pouvaient le faire, et que ce soir, ils n'avaient pas pu le faire, même s'ils n'étaient pas loin. Et voilà, et puis au final... Au fur et à mesure que le temps passe, on se crée quelques occasions un peu plus dangereuses avec Nestor qui est pas loin d'ouvrir le score une première fois et qui était même parti pour célébrer. Et puis le ballon qui est sauvé sur la ligne, j'ai revu l'arrêt ensuite à la télé parce que j'avais pas vu de là où j'étais et l'arrêt c'est un peu n'importe quoi, mais c'est un bel arrêt, c'était un arrêt important à ce moment-là. Et puis Nestor, encore une fois, qui prouve et qui montre toutes les qualités qu'on lui connaît, les qualités offensives qu'on lui connaît, qui rentre dans la boîte, qu'enchaîne un contrôle digne d'un œuf, reprise de volée croisée, même s'il dit qu'il l'a un peu raté, je trouve qu'il est un peu dur avec lui-même, parce que moi je trouve que la reprise, en plus je crois que c'est une reprise pied gauche, oui, qui passe entre les jambes du gardien de Dunkerque. Voilà. Bah, il disait que voilà, il l'avait un peu raté parce qu'il voulait plus la croiser et qu'elle passe entre les jambes. Au final, elle est quand même croisée, puis elle passe entre les jambes. Voilà, un peu de chance, mais faut provoquer la réussite. Moi, je trouve que l'enchaînement, il est incroyable. Donc ouais, très très laborieux, mais précieux, c'est les termes. Et puis je trouve aussi que c'est à l'image d'un GF38 qui va mieux, même si parfois dans le contenu, c'est un peu plus compliqué. Et on a un peu plus de mal à imposer notre jeu, à avoir de multiples occasions de but. Je trouve quand même que c'est à l'image d'un GF qui va mieux, parce que ces victoires-là, dans le temps additionnel, mine de rien, je dirais pas que c'est une spécialité, mais on sait que ça arrive au GF quand ça va bien, dans les têtes. Et de ce qu'on entend des joueurs et de ce qu'on voit dans l'attitude du coach aussi, on sent quand même que ça va de mieux en mieux. Je sais que sur le Discord, ça avait parlé aussi de la réaction au coup de sifflet final. On voit tout le monde qui saute dans les bras, tout le monde qui est content de la victoire. Donc je trouve que ça a été laborieux, mais c'est très très précieux, à la fois sur le plan comptable, mais aussi dans les têtes, parce qu'on sent quand même que ça va de mieux en mieux. On va saluer Flo, qui est parmi nous, je crois. T'es par ici, Flo ? Salut, ouais, salut Fred, salut Karel. Comment vas-tu ? Salut Flo. Tout va bien, cousin, désolé, un peu de retard aujourd'hui, mais ça va. C'était les courses de Noël, c'est ça, qui t'ont mis un peu dedans ? Non, c'est du coup, comme madame revient de Chine et ne connaît pas encore l'hiver français, il fallait acheter de quoi s'habiller. D'accord. Et ça s'est joué au vendeur qui a oublié d'enlever l'antivol. Ça m'a mis dedans. Il y a pas de souci, bah on a commencé, je sais pas si t'es avec nous depuis longtemps, j'ai vu il y a quelques minutes que t'étais là, donc on a commencé à parler en fait tout simplement de la victoire contre Dunkerque. Avant de te donner la parole à ce sujet, je vais saluer Nak qui est arrivé, je vais saluer Maceo qui a dit des choses intéressantes, et ben je vais redire bonjour aussi à ceux qui étaient déjà là, Renki et Céline, et Steph bien évidemment. Alors Maceo, il nous dit quelque chose que je trouve pas mal, il nous dit en top, j'ai demandé un peu sur le chat qu'on nous donne les tops et les flops du match, il nous dit Belmont en première mi-temps, je l'ai trouvé très impliqué et qui ressemblait à un meneur de jeu qui donnait beaucoup de consignes à ses coéquipiers. Pour coller un peu à ce que disait Karel, moi je l'ai trouvé très bon sur les 15 premières
minutes aussi, Anthony Belmont. Après, je trouvais que le milieu de terrain grenoblois a été un peu plus transparent sur la suite. Mais sur les 15 premières minutes, donc, l'action d'Anani, effectivement, que tu as mentionné, Karel. Je crois qu'il y a une, 2-3 frappes aussi en trait de surface, dans une de Bang Bok qui est contrée. Les 15 premières minutes. Flomich, je les ai trouvées vraiment très bonnes, effectivement. Et puis après, on est un peu plus sur du temps faible. Comme habituellement avec le GF 38, hein, j'ai l'impression que 15-30, c'est pas forcément le meilleur quart d'heure en général des grenoblois. Et Maceo qui nous dit en flop Anani, manque de confiance très visible, mais un manque d'implication qui m'inquiète fortement. Il y a son occasion qui peut le mettre vraiment bien en tout début de match. Pour moi, il la joue pas mal. Hein. Je sais pas ce que vous en avez pensé, messieurs, mais de mémoire, c'est un défenseur de Dunkerque qui est devant sa ligne, qui récupère le ballon. Je vois pas Anani mal la jouer spécifiquement. Et Renki lui nous dit en top, je trouve qu'on a été bon au milieu, surtout Michel. Et flop, la mise en relation de Diallo, beaucoup de déchets sur le peu de ballons touchés, Diallo et Anani. Alors Michel, je suis moins de cet avis-là, je l'ai trouvé un peu léger dans les duels encore. Pareil, notamment après le premier quart d'heure, il s'est bien fait bousculer. J'avais vérifié, je crois qu'il a gagné quelque chose comme 3 ou 4 duels sur les 17 qu'il a tenté en fait. Donc ça a été compliqué pour lui. Flo, du coup, déjà, est-ce que il me semble que tu as vu le match à la télé, hein, toi plutôt Flo, qu'est-ce que tu as pensé de cette victoire grenobloise arrachée dans les dernières secondes? J'ai vu le multiplex parce que j'ai pas eu accès à Amazon exceptionnellement sur ce match-là, oui. Malheureusement. J'ai vu un peu une rediff, mais de loin. De ce que j'ai vu, ouais, c'était un match à la grenobloise, on va dire. Hein. Un match sur lequel on a des difficultés, on a des occasions qui est très frustrant et sur lequel j'ai l'impression qu'on arrive toujours pas à saisir les faits de jeu qui nous sont favorables. C'est-à-dire que même en ce qu'on dit, on a encore dû batailler, on a eu du mal à se procurer des occasions et puis à prendre le dessus. C'était très proche de ce qu'on avait vu la saison passée aussi, en fin de saison, où à 11 contre 10, on avait l'impression de plus galérer qu'à 11 contre 11. Même en début de saison, l'an passé, hein, puisque c'était les matchs à Niort et Sochaux, et je pense que c'est courant novembre-décembre, qu'on enchaîne 2 matchs de suite à l'extérieur, effectivement, avec de mémoire un 0-0 à Niort, et je crois qu'à Sochaux, on ouvre le score, mais qu'on concède le match nul, finalement. Comme tu le disais, à chaque fois, on se compte 10, où Grenoble a eu du mal. Justement, à ce sujet-là, Mauricio Jacobacci, lui, parlait de patience. Est-ce que pour toi, c'est vraiment de la patience, ou est-ce qu'il y a un vrai souci, on va dire, à réussir à déséquilibrer les adversaires par le jeu? Je pense que je vais être un peu plus sévère que Giacobacci, puisque à 11 contre 10, il est vrai qu'en phase offensive, ça ne change pas grand-chose, puisque les deux lignes de 4 au milieu en défense restent les mêmes. C'est plus, on va dire, en termes d'occasion concédée, qu'on va être plus à l'abri et qu'ils auront un jour de moins pour attaquer. Il n'empêche que je trouve qu'avec plus de discipline tactique et une meilleure organisation tactique, on devrait être mieux à même de mettre en difficulté l'adversaire. L'année passée, on n'y arrivait pas parce que tactiquement, on est quand même pas très au point. Cette année, il y a du mieux, mais je trouve qu'on a encore des joueurs qui manquent de discipline tactique et qui manquent de rigueur, cette rigueur-là, justement, pour profiter et jouer plus intelligemment les situations en supériorité numérique, je trouve. Est-ce que la solution, pour faciliter aussi le rôle des joueurs, Karel, je te pose aussi la question à toi, ça aurait pas été de prendre un petit risque en sortant un défenseur et de repasser à 2 derrière, en fait, et pas à 3, puisque, comme tu le disais, forcément, ils ont sorti un attaquant côté Dunkerque et je crois que la stat, c'est 0 tir cadre de Dunkerque sur le match. Brice Montbleu n'a pas eu un arrêt à faire, donc effectivement, même si Grenoble s'est pas créé beaucoup d'occasions non plus, ils ont rarement été mis en danger sur ce match. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas pu avoir une petite prise de risque au niveau tactique de Mauricio Jacobacci? Le problème, c'est qui on aurait mis sur le terrain. Le banc était quand même assez léger. Hein. Ah, Loïc Nestor en 9 directement? Non, mais bien évidemment. Voilà, direct, on est d'accord. Kokredze, David Hennen, je sais pas, mais oui, c'est plus un manque de joueurs pour vous. Du coup, pour toi, Flo, en tout cas, c'est plus un manque de joueurs qu'empêcher cette prise de risque-là? De ce que je vois de David Hennen, honnêtement, moi, c'est quand même ma grosse déception de cette période-là, de la trêve précédente à cette trêve-là internationale. Je trouve qu'il a pas du tout répondu présent alors qu'il avait un boulevard pour s'imposer. Et Kokreze, on aurait pu, honnêtement, hein, parce que c'était clairement le match pour le lancer à 11 contre 10. Il aurait pu se faire plaisir, mais peut-être qu'à l'entraînement, du coup, il montre pas assez. Karel, même question, puis je te complète par une remarque de Nak qui dit sur l'action d'Anani qu'il aurait pu tenter une petite balle piquée là sur la première opportunité du match. Est-ce que tu partages un peu l'avis de Nak sur le fait qu'Anani aurait pu mieux la jouer, et qu'est-ce que tu penses du non-changement de système en deuxième période et du fait qu'on soit resté à 3 derrière alors qu'il n'y avait pas forcément d'inquiétude et de danger créé par les visiteurs? Ouais, pour le face-à-face, je suis assez d'accord avec Nak. Je pensais qu'il allait pas forcément
que ce soit mal piqué ou non, mais moi je pensais qu'il allait jouer le face-à-face directement. Après, voilà, il tente d'effacer le gardien. C'est vrai qu'il s'excentre un peu, donc forcément, il y a un défenseur qui a le temps de revenir sur sa ligne. Je pense que, comme ça a été dit aussi dans le chat, je crois que c'est Maceo, ouais. On sent quand même qu'il en manque de confiance à Nani, hein, quand même. C'est quand même des prises de décision. On sent que c'est compliqué en ce moment. Je pense qu'il lui faut un but. Il avait marqué à Toulouse, mais c'était pas un but très important non plus. Donc, je pense qu'il a besoin aussi de ce boost de confiance-là. Ensuite, pour ce qui est du changement tactique pour amener un peu le déséquilibre du côté de Dunkerque, oui, on aurait pu tenter. Après, ouais, Jacobacci disait en conf qu'il prônait aussi l'équilibre, qu'il voulait amener plus de danger sans déséquilibrer le bloc équipe. Et ouais, ça peut paraître compliqué quand une équipe en face est bien en place. Mine de rien, même si elle n'a pas montré énormément de choses dans le jeu, c'est une équipe qui est en confiance, donc qui est quand même à même de venir chercher un point à 10 contre 11 sur notre pelouse. Je pense que ouais, il faut quand même amener un peu de déséquilibre. Et on voit de toute manière que les plus grosses actions et le but, ça vient d'un dépassement de fonction. Donc, ouais, je pense qu'il y aurait eu besoin peut-être de changer peut-être quelque chose dans le système pour. Est-ce que c'est pas un peu, je sais pas si bête c'est le bon terme, je m'explique du coup après, est-ce que c'est pas un peu bête du coup de prendre cette prise de. Parce que cette prise de risque, on l'a eu finalement dans les dernières minutes, comme tu le dis, c'est Nestor qui fait un petit dépassement de fonction, qui vient apporter le surnombre. Il y a aussi un très bon appel de David Hennen pour le coup, moi j'ai trouvé qui s'excentre très bien côté gauche et qui libère l'espace. Est-ce que c'est pas un peu bête de prendre ce risque là dans les 5 dernières minutes, dans la mesure où si on prend un but à ce moment-là sur le contre, bah il n'y a pas le temps pour revenir derrière, alors que si on prend ce risque-là dès le début de la deuxième mi-temps et qu'on se fait contrer, admettons, il reste du temps derrière pour reprendre et se remettre au moins sur un match nul, en fait. Est-ce que du coup, puisque au final on prend le risque, hein, sur les dernières minutes, je pense que Loïc Testor a un peu pris d'ailleurs de ce qu'on comprend, Karel peut-être aussi sur la conf de presse d'après-match, moi de ce que j'ai compris, c'est que concrètement, c'est pas son coach qui lui a dit vas-y, maintenant reste devant, etc. C'est lui qui a pris la décision, il a vu que ses coéquipiers aussi pouvaient le couvrir derrière et qu'il n'y avait pas trop de danger, et il a bien fait comprendre et dit mais si on prend but derrière c'est pour ma gueule aussi et c'est moi qui me fais engueuler, donc ce risque là fallait-il attendre aussi longtemps pour le prendre? Bah je pense que déjà que c'est des trucs qui se calculent pas vraiment quand on est dans la tête de Nestor. Après je suis pas à sa place, mais je pense que c'est une montée qui se calcule pas vraiment. Il a peut-être vu un espace, il a peut-être vu quelque chose à faire, quelque chose qu'on n'a pas vu nous de notre position. Il était aussi frustré, tu l'as évoqué, hein, tu as dit il était bien parti pour célébrer son but. Il nous a même dit qu'il était parti pour célébrer son but et qu'il avait commencé à courir et que ça l'avait beaucoup frustré qu'il n'y ait pas eu but marqué. Du coup, je pense que ça a pu jouer psychologiquement du coup dans le fait qu'il voulait vraiment marquer son but derrière. Mais ouais, je pense que c'est quelque chose qui, tout simplement, lui, dans sa tête, se calcule pas. Après, ouais, d'un point de vue tactique, physionomie du match, ouais, c'est sûrement risqué. Mais je pense que ce qui aussi a joué, et comme tu l'as bien mentionné auparavant, c'est que Dunkerque avait été vraiment inoffensif. Donc je pense aussi que ça aide à prendre ce genre de décision. Après, oui, très clairement, je pense que tout le monde, que ce soit nous ou dans le stade, aurait aimé voir une prise de risque tactique un peu plus tôt dans le match. Mais... voilà, et Jacobacci a voulu garder son équilibre pour être sûr de pas prendre de buts qui nous auraient mis plus dans le mal que ce qu'on était. Donc, voilà, au final, ça a payé grâce à ce dépassement de fonction-là. À voir si, peut-être, comme vous l'avez mentionné aussi, s'il y avait eu plus de solutions, peut-être plus évidentes et avec plus de certitude, même si, voilà, moi, je suis les groupies numéro 1 de Kokredze, mais avec peut-être plus de certitude que Kokredze, peut-être qu'il aurait changé de système un peu plus tôt, parce qu'on sait que Jacobacci, dans certains matchs, même à 0-0, etc., il n'avait pas hésité à le faire, même à la mi-temps, il n'avait pas hésité à changer beaucoup de choses. Donc, à voir. On salue Pierrick qui nous fait un petit coucou, qui passe 5 minutes dans le chat. Flo, est-ce que tu as un top et un flop, ou plusieurs tops ou plusieurs flops d'ailleurs sur cette rencontre? Qui t'a bien plu, qui t'a un peu moins plu en termes de joueurs, hein? De ce que j'ai vu du match, honnêtement, ça va être compliqué d'être pertinent, oui. Donc je préfère ne rien dire, honnêtement. C'est pas faux, bah du coup je vais te remplacer, si tu me le permets. Alors attends, Maceo nous dit « J'ai trouvé Adrien Monfray très rassurant aussi, cela permet sûrement à Nestor d'être plus serein pour tenter des actions offensives, car L5 derrière ça assure. » Ouais, c'est un peu ce que disait Loïc Testor, Maceo, effectivement, en conf d'après-match. Au-delà d'Adrien Monfray, je pense qu'il y a des milieux de terrain qui sont intelligents, qui voient qu'un défenseur monte, qui sont capables de couvrir. Bah, je vais essayer de pas, je vais pas être très original si je dis Adrien Monfray et Loïc Nestor en top, hein, bien évidemment.
Moi, je mettrais bien aussi, pas forcément en top, mais j'ai apprécié sa prestation, Sylvestre Braque. J'ai souvent eu un peu la dent dure sur lui, l'an passé quand il jouait et en début de saison. Et je le trouve beaucoup plus serein, beaucoup plus en confiance, même sur les premières relances, des choses comme ça. Voilà, il tente des choses. Il a un très bon jeu aérien, effectivement, mais je trouve qu'il gagne en maturité sur le terrain. J'ai bien aimé sa prestation. J'ai moins bien aimé les latéraux, les deux pistons, notamment en termes de qualité de centre, quand on était en seconde 10, ils n'ont pas apporté grand chose, Gaspard et Gersbach. J'ai moins aimé le milieu de terrain, comme je l'ai dit tout à l'heure. J'ai trouvé que Belmont avait fait un bon premier quart d'heure. Après, j'ai trouvé que le milieu était un peu plus dans le dur, et notamment Bambock et Michel qui ont été un peu en dessous de ce qu'ils font d'habitude. On n'a pas trop vu Diallo, donc j'aurais du mal à apprécier son match. Je pense qu'il est capable de faire beaucoup mieux. Anani, effectivement, c'est compliqué. Hein, vous l'avez dit, hein, il n'est pas en confiance, ça sent. Et il y a certains moments où il faisait pas les efforts non plus, donc ça, c'est un minimum. Au niveau des entrants, j'ai bien aimé la. Alors que je dise pas de bêtises, même Kokredze, hein, j'ai trouvé qu'il avait fait plutôt une. Contrairement à Rodez, où il avait été un peu dans le dur, on l'avait pas trop vu, je trouvais qu'il a fait une entrée intéressante. Neri, bonne entrée. Abdallah, bah, il fait passe décisive. Et Enen, comme je l'ai dit, j'ai bien aimé aussi le travail sans ballon derrière. Donc j'ai plutôt apprécié, je mettrai les remplaçants globalement dans mes tops. Karel, est-ce que toi, tu as des petits top flops sur ce match-là? Bah ouais, enfin, ouais, ça a été dit et ça paraît un peu évident, mais quand même, Monfray et Nestor Oui. qui nous permettent quand même d'avoir une sacrée solidité Oui, et qui marque en et qui plus. fait que, voilà, c'est Nestor qui est capable de dépassements de fonction qui font des vraies différences à l'image de son but. Et voilà, qui nous permettent aussi de retrouver cette solidité défensive qui fait que, peut-être qu'en début de saison, sur un match comme ça, on aurait peut-être un peu plus tremblé. On se serait dit, attends, on va quand même pas perdre ce match. Là, on n'a pas tremblé une seule seconde à l'idée de perdre le match. Et face à une équipe qui était quand même sur la meilleure série des 5 derniers matchs de tout le championnat de Ligue 2, bah, on était persuadé qu'on allait pour la victoire. Même si dans le jeu, ça s'est pas forcément ressenti. Mais nous, en tout cas, en tant qu'observateurs et spectateurs, on a senti quand même que l'objectif, c'était d'aller chercher la victoire. Et c'est aussi parce que la solidité défensive est là grâce à eux. Ensuite. Moi, j'aime franchement toujours assez bien les matchs de Flomich, même si là, il n'a pas forcément autant brillé que sur d'autres matchs, mais au moins dans les 15-20 premières minutes, je l'ai trouvé très intéressant et toujours dans les récupérations. Je l'ai déjà dit, ça a été déjà dit plusieurs fois, mais il y a un moment où il fait un tacle, où il récupère le ballon à terre et il se réoriente tout en étant par terre. Moi, je trouve que ce joueur, c'est, on dirait un Verratti gaucher, c'est juste, c'est n'importe quoi. Je trouve que dans la gestuelle, c'est n'importe quoi. C'est tellement similaire, j'aimerais bien voir un montage avec la gestuelle des deux joueurs à côté pour qu'on se rende compte à quel point je trouve, en tout cas moi, que c'est flagrant. Mais en tout cas, j'aime toujours bien les matchs de Flomich qui a un profil très très particulier et très intéressant en plus pour le GF qu'on n'a pas forcément au milieu de terrain. Et voilà, après je suis obligé de le mentionner, mais j'ai bien aimé la rentrée de Kokredze, moi aussi. Je trouve qu'il a joué assez simple, qu'il a été mine de rien assez percutant. Voilà, moi j'ai en tête le contre. Je crois que c'était un contre quand on menait déjà 1-0. Et voilà, on sent qu'il a été quand même porté un peu par le stade et qu'au final il a tenté sa chance. Je trouve que la frappe part bien, mais je trouve ça intéressant aussi qu'il ait tenté sa chance et qu'il ait pas forcément tenté la passe. Ça, je trouve que peut-être que c'est le moment de déceler un peu de caractère chez le joueur, un peu une envie de briller, parce que voilà, un joueur qui est pas forcément. Ouais, je pense pas qu'il soit en confiance, mais un joueur qui a pas envie de briller, il aurait. Ou qui a moins envie de briller, il aurait fait une passe plus simple. Et lui, il a tenté sa frappe pour essayer de mettre un petit golasso au Stade des Alpes. Donc, moi, ça m'a plu. Je trouve que ça va. C'est compliqué d'aller moins bien que ce que ça allait avant. Mais ça va de mieux en mieux, je trouve. Et j'espère qu'on va voir son meilleur visage au fur et à mesure que les journées passent. Donc, voilà. Sur le chat, on nous parle de Sylvestre Braque aussi. Nak nous dit qu'il a fait un bon match et de la justesse technique dans les transversales. Il progresse tout de même. Et Pierrick, pareil, nous dit qu'il est plus rassuré et il constate effectivement que les présences de Monfray et Nestor font forcément beaucoup de bien et enlèvent de la pression. On le dit, hein, je les ai pas, j'ai pas surjoué ce que je pense de Monfray et Nestor, mais les deux marchent sur l'eau là depuis quelques semaines et c'est le gros, 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 gros point fort du GF38. C'est son axe défensif très clairement. On voit que c'est même eux qui marquent les buts, hein, parce que Nestor avait marqué là, mais à Caen, c'est Adrien Monfray qui marque, donc ils font plus que bien défendre les deux. On va passer au thème suivant, messieurs, si vous le voulez bien. Le thème suivant qui est 9e, le GF38 à sa place avec un point d'interrogation. Bah, je posais la question parce que 9e, c'est aussi historiquement la place que Grenoble a occupée, enfin historiquement, c'est un bien grand mot, mais la place que Grenoble a occupée à l'issue des deux premières saisons de Ligue 2 depuis son retour.
Est-ce qu'aujourd'hui, le GF38, 9e du classement, c'est quelque chose qui vous semble cohérent par rapport à la qualité de l'effectif, par rapport aux petits changements, par rapport à la marge de progression éventuellement de l'équipe Flo? C'est notre place, mais je dirais que c'est une place qui est frustrante. Cette même place, je trouve que oui, vu ce qu'on a montré depuis la trêve internationale précédente, c'est là où on mérite d'être. On a eu des limites, et surtout au niveau de l'attaque, qui nous plombent un peu et qui nous empêchent d'aller plus haut. Moi, je me rappelle qu'en dernier podcast, j'avais annoncé qu'on pouvait se permettre de viser plus haut, que cette série de matchs, elle pouvait nous emmener soit plus haut, soit nous tempérer un peu dans nos ambitions. On a un classement qui reste quand même assez serré et ça peut encore très vite bouger. On peut encore aller en haut comme aller plus en bas. Flo, je te coupe 10 secondes. C'était notre thématique, effectivement, la dernière thématique, je pense, du dernier podcast. En gros, la série de 4 matchs, ça pouvait nous mener plus haut ou plus bas. Moi, je m'accordais plutôt à dire que si on prenait 7 points, on pourrait regarder vers le haut. Il se trouve qu'on a pris 7 points. Et pourtant, voilà, c'est peut-être plus difficile que ça, aujourd'hui de regarder vers le haut. On peut rappeler le petit bilan sur les 4 matchs d'ailleurs. On a fait match nul à Bastia 0-0. On a perdu à domicile contre Dijon 2-1. On a gagné à Caen 1-0. Et on a battu Dunkerque 1-0. Donc ça fait 7 points. Très peu de buts marqués encore une fois comme depuis le début de saison. Très peu de buts encaissés aussi heureusement derrière. Mais en tout cas, on a pris 7 points. Donc vas-y, tu peux poursuivre. Et puis ouais, donc par rapport à la trêve précédente, en fait, on était arrivé à surprendre les équipes avec nos nouvelles recrues. Je pense à Bambock qui avait fait un bien fou et qui, je pense, était un peu surprenant pour les adversaires qui n'avaient jamais vu jouer et qui savaient peut-être pas forcément comment le contrer. Je trouve que là, sur les 4 derniers matchs, on a vu des adversaires qui étaient beaucoup mieux préparés sur comment nous contrer et comment nous faire mal. Je pense notamment au pressing au milieu de terrain qui nous a vraiment, vraiment fait beaucoup, beaucoup de mal contre Dijon, Oui. contre Bastia ou même sur les autres matchs. Et forcément, on a vu que l'équipe était plus en difficulté. Et face à cette difficulté-là, on a eu du mal à trouver des solutions. On aurait dû. Et c'est là qu'on voit les limites de l'effectif, en fait. Quand le milieu est pressé comme ça, on aurait dû avoir des solutions sur les ailes et être plus tranchant sur les ailes. Mais malheureusement, Ungersbach, bien qu'il apporte beaucoup de solidité défensive, offensivement, il reste très limité, on l'a vu. Et Gasper est encore sur courant alternatif. Il fait des très bons matchs comme des matchs un peu plus moyens. Et quand il est un peu plus moyen, c'est beaucoup plus difficile pour nous de trouver des solutions et de marquer. Donc c'est là qu'on a vu que quand notre force au milieu de terrain est bloquée, on a un effectif qui est beaucoup plus limité sur les côtés et devant. Devant, à cause d'un Anani, à mon avis, qui est beaucoup trop en manque de confiance. Et puis d'autres joueurs qui jouent pas forcément à leur poste. On a un Radé qui est blessé. Et quand il n'est pas là, on sent aussi qu'il manque beaucoup dans l'animation offensive. Et forcément, donc quand sur les ailes offensivement et au milieu, tu as beaucoup moins de présence et d'impact, la défense réagit mieux. Et heureusement qu'on a une défense assez solide qui s'est beaucoup mise en valeur et qui nous a permis de sauver des scores et de gagner des matchs. J'espère quand même que avec le retour en forme peut-être d'Anani, le retour en confiance d'Anani, on puisse arriver à viser plus haut. Je pense que potentiellement on peut viser mieux, mais ça va dépendre aussi de comment l'équipe va réagir dans la difficulté. Et aussi, en termes de physique, je trouve qu'on a une grosse, grosse baisse de régime physique là sur ces 4 derniers matchs. J'ai l'impression que la trêve nous a un peu coupé les pattes et j'espère qu'on pourra rebondir après cette trêve internationale de manière un peu plus présente physiquement. De ce que tu nous dis là, est-ce que finalement cette 9e place à tes yeux est pas un peu flatteuse, finalement? Non, non, je pense pas. Je trouve qu'on a été la chercher. Faut pas oublier qu'aussi on a 3 matchs en début de saison, voire 5 qui nous pénalisent, alors qu'on aurait peut-être pu avoir mieux avec les recrues et les blessés. Neuvième, ça nous correspond, mais moi, tu vois, je pourrais même te dire que on pourrait peut-être viser la 7e, 6e place avec un effectif plus complet et en meilleure confiance. Karel, avant de donner la parole sur ce sujet, j'ai mis le classement du coup sur le live. Donc Grenoble est 9e. Ce qui est intéressant, c'est que ils sont qu'à 4 points de la 5e place. Qui l'aurait dit après les 2-3 premières journées de championnat? Ils sont même qu'à 3 points du Paris FC. Quand on se souvient du 4-0 à Guignon, c'est difficile à imaginer qu'il y ait si peu d'écart aujourd'hui entre les deux équipes. Donc finalement, le top 5 est pas si loin que ça, quand on se rappelle notamment du début de saison. Et par contre, quand on regarde la fin de classement, il n'y a pas vraiment beaucoup de points d'avance, je crois qu'il y a 6 points si je dis pas de bêtises sur le 18e ou sur le 19e Amiens du coup qui est premier relégable direct. Donc bah, finalement 9e mais rien n'est fait ni dans un sens pardon ni dans l'autre en matière comptable. Karel, du coup pour toi est-ce que cette 9e place est bah, la place naturelle on va dire que le GF38 doit occuper en ce milieu de saison?
Bah, en tout cas, moi je trouve que ouais, sur le début de saison, c'est la place qu'on mérite parce que quand je revois là où on perd des points et les défaites qu'on subit, c'est des défaites qui sont quand même clairement méritées. On perd contre Dijon, voilà le match, on l'a vu, même si on était à domicile, je pense qu'on peut tous s'accorder sur le fait qu'on n'aurait pas pu espérer beaucoup mieux, en tout cas dans la dynamique, même si on menait 1-0. Peut-être prendre un point, mais je pense que Dijon a mérité sa victoire. Ensuite, on perd à Toulouse, c'est pareil. On perd à Niort. Bon, Niort, c'est peut-être le seul match. Niort, c'est peut-être le seul match où on aurait pu espérer mieux. On perd à Sochaux, et puis après, il y a les deux matchs du début de saison. Donc, je trouve que, bah, sans parler des matchs nuls, sur les défaites, en tout cas, c'est des défaites méritées ou par rapport à notre état de forme sur le moment, au moment du match et par rapport à la physionomie du match, c'est des points qu'on méritait de perdre. Et voilà, ensuite on peut parler des 2 points qu'on perd à Rodez sur le coup franc tardif de David. Mais voilà, comme tu l'avais dit toi aussi, Fred, c'est des points qu'on récupère ailleurs, qu'on récupère contre Nîmes, une victoire super importante, et qu'on récupère bah, par exemple contre Dunkerque aussi en marquant dans les dernières secondes. Donc je trouve qu'en tout cas, moi, il n'y a pas de frustration vis-à-vis du classement, et je suis même assez agréablement surpris parce que je pensais pas qu'on resterait en bas de classement bah, jusqu'à la fin de saison. Je pensais pas qu'on aurait, c'est pas encore joué, mais je pense pas qu'on va avoir du mal à se maintenir. Mais je suis quand même aussi agréablement surpris parce que j'avais peur que la sauce mette un peu de temps à prendre avec Jakobacci. Et au final, on voit que voilà, on en est à combien de matchs exactement? On en 15. est à 15 matchs. Voilà, même pas encore la moitié du championnat bientôt, mais on a quand même réussi à bien se remettre en selle. Et comme je le mentionnais tout à l'heure, à avoir un groupe qui est quand même de plus en plus soudé autour du projet de jeu, autour du coach, et qui s'adapte de mieux en mieux, même s'il y a quand même encore des accros, s'il y a des petites baisses de forme physique, comme Flo l'a bien mentionné aussi, on voit qu'on est quand même un peu moins, qu'on tient un peu moins l'intensité. Au fur et à mesure des matchs, mais je trouve quand même qu'il y a du mieux. Et ouais, le GF38, pour le moment, à cette 9e place, au vu du début de saison qui a été très compliqué, est à sa place. Après, ça ne veut pas dire pour moi qu'il ne peut pas espérer mieux. Je trouve que avec quelques réglages et la capacité aussi à se mettre plus rapidement à l'abri dans les matchs, on pourrait viser plus haut. On sait que c'est une Ligue 2 qui est très longue, mine de rien, même si voilà, c'est 38 matchs comme en Ligue 1, mais je trouve que la Ligue 2 paraît très très longue parce qu'il y a toujours des rebondissements, il y a toujours des pertes de points. À un moment, bah, rien que ce soit en haut du classement, on voyait Toulouse s'échapper. Maintenant, ils sont collés à la 4e place avec Sochaux qui a 2 points et Auxerre qui a 1 point. Et nous, voilà, comme tu l'as dit, on est à 3 points du Paris FC, on est à 4 points des barrages, sans dire qu'on va jouer les barrages, mais on est à 4 points des barrages et on joue Le Havre à domicile le 3 décembre. Donc, ouais, là, au vu du début de saison, pour moi, le GF38 est à sa place. Est-ce qu'il peut espérer mieux? Oui. Est-ce qu'il faudra quand même être vigilant à quand même continuer un peu à regarder derrière pour être sûr de pas s'enflammer et au final d'avoir de mauvaises surprises? Je pense aussi que oui. Ça donne pas d'indication claire, mais je trouve que c'est aussi à l'image de cette Ligue 2 qui est quand même compliquée à prédire. Mais je trouve qu'on peut être heureux pour le moment, vu le début de saison, avec bah, cette place en première partie de tableau à la trêve. Pierrick va nous permettre de faire la transition sur la thématique suivante, puisqu'il nous dit: on est à notre place au vu du début de saison. Si on recrute un attaquant et un milieu offensif, on peut viser le top 7 en fin de saison. Le sujet suivant, c'est justement, je pose la question là aussi, est-ce que, au vu de ce que les Grenoblois ont montré depuis 15 journées, l'effectif, pour vous messieurs, reste encore à affiner, c'est-à-dire aussi bien dans le sens d'ailleurs des arrivées? Est-ce que clairement il y a des manques à combler lors du prochain mercato hivernal? Et pourquoi pas au niveau des départs? Est-ce que éventuellement vous pensez que certains secteurs de jeu sont trop développés aujourd'hui et que ça ne sert pas forcément à quelque chose? Et je crois qu'on a Kevin qui nous a peut-être rejoint en même temps, j'entends du bruit. C'est Kev qui est avec nous? Ouais, j'arrive, Fred. Juste un petit instant, je mets en haut-parleur, je suis là. Bah écoutez, on va en attendant Kev qui nous fera un petit point, je pense, sur le match de samedi aussi. Flo, du coup, qu'est-ce que tu penses de cet effectif actuel et des éventuels rajouts que tu ferais? Est-ce qu'il y a Kevin qui a un très mauvais son?
Non, j'entends l'écho de Kev, en fait, je pense. Hein. Ouais. Normalement, c'est bon. Voilà. C'est bon. Ok, donc je disais quoi, donc oui, sur les effectifs, ouais, donc complètement, on a beaucoup trop de monde au milieu de terrain, il va falloir dégraisser. Oui. Il va peut-être falloir qu'on se pose la question sur le cas Perez aussi, qui devient compliqué à gérer, je pense, pour le club. Il passe beaucoup de temps blessé, il n'a pas l'air très épanoui des échos qu'on peut en avoir. Est-ce qu'il va rester là? Je ne sais pas. Moi, j'aimerais bien le voir s'imposer, mais ça devient compliqué quand même entre les blessures, les suspensions et puis peut-être un relationnel plutôt moyen avec Giacobacci. Il faudra aussi de toute façon qu'on libère la place au milieu de terrain. Et oui, il nous faut un attaquant, c'est sûr et certain. Il va nous en falloir un. Il va nous falloir aussi un milieu offensif qui peut jouer sur les côtés ou qui puisse dépanner quand Ravé n'est pas là, puisqu'on souffre beaucoup de l'absence de Ravé quand il ne joue pas. On part du principe qu'on reste un peu sur ce schéma 3-4-2-1 ou on part du principe qu'on peut éventuellement avoir des besoins sur d'autres types de schémas de jeu? Le 3-4-2-1 va bien, et puis après, oui, il faut aussi penser au 4-3-3 ou 4-2-3-1 qu'on pourrait voir aussi hein, sur une défense à 4. La défense, en même temps, elle est assez fournie pour avoir un système à 3-4. Hein. Oui. On a Neri qui a un profil assez hybride qui peut être super intéressant par rapport à ça. Et Abdallah, Gaspard et Gersbach peuvent faire le taf et se relayer sur les côtés. Donc, il faudra peut-être recruter un piston droit, mais plus dans l'été si jamais on continue dans un système à 3 et que Neri s'impose vraiment en défense centrale. Pour le moment, je pense que la défense est assez fournie et qu'on peut rester là. Très bien. Donc du coup, tu verrais quel type de profil pour arriver plus précisément? C'est un milieu offensif un peu polyvalent? C'est un milieu qui joue plutôt à gauche? Bon, un attaquant de pointe éventuellement. Qu'est-ce que tu as en tête si éventuellement tu as des exemples de joueurs, hein, pas forcément qui pourraient venir à Grenoble, mais pour donner un ordre d'idée un peu plus précis du type de joueur, du profil que tu verrais? Bah, curieusement, j'adorerais avoir un Pierre Boya, un profil type Pierre Boya en attaque, oui, qui puisse faire le point d'ancrage et. Est-ce qu'on pourrait dire Chokounte? Alors, tu n'as pas vu le match en entier contre Dunkerque, mais Chokounte, bon, qui viendra pas à Grenoble, voilà, qui a 33 ans, qui est un peu vieux, du coup, mais typiquement, je crois, 1m91, qui a tous les ballons, personne n'arrive à lui prendre, voilà, c'est un peu ce type-là que tu verrais bien devant. Surtout avec la quantité de centres qu'on peut faire sur les côtés, ouais, honnêtement, ça serait le profil idéal. En plus, c'est un profil différent de Anani qui pourrait apporter un plus et qu'on n'a pas aujourd'hui. Donc, je suis vraiment pour ce genre de profil. Et en termes de milieu offensif, j'aimerais aussi quelque chose de différent de Rabiot, un profil plus percutant avec une bonne vision du jeu, un Gueldani qu'on va dire des temps modernes. Très bien. Karel, ton avis, est-ce que cet effectif-là est encore à affiner? Après, je vous demanderai à la limite de me faire votre équipe type, entre guillemets, vous mettrez recrue, si c'est une recrue, sur le système de jeu pour qu'on y voit un peu plus clair aussi sur quel type d'équipe vous souhaiteriez voir en place à Grenoble. Karel, du coup, toi, tu verrais des profils spécifiques pour renforcer cette équipe? Déjà au niveau du profil de l'attaquant, je sais pas si tu te rappelles de ce dont on avait parlé, mais c'est les propos de Flo, c'est exactement les propos que j'avais tenus à la mi-temps, c'est-à-dire que je trouve qu'il y a un Chokounte dans le sens où il cale absolument tous les ballons, il est pas que grand, il est quand même très très athlétique, il est très épais. Je trouve que c'est un profil qui ferait du bien, justement parce que Flo l'a bien mentionné, on fait énormément de centres, on a une qualité de centre, même si on l'a pas vu forcément samedi dernier contre Dunkerque, mais voilà, quand il y a par exemple Neri, je trouve qu'il y a un très très bon pied. Je trouve qu'il y a un joueur qui serait capable de gagner la plupart de ses duels de la tête comme ça dans la surface, ça ferait beaucoup de bien. Et ouais, voilà, une vraie pointe, un vrai neuf qui mine de rien fait ses stats, c'est bête à dire parce que j'aime pas spécialement parler de stats dans le football actuel, mais ça fait du bien d'avoir un neuf qui met ses 10-15 buts par saison. On avait beau le critiquer parfois sur sa finition et il compensait par des buts incroyables, mais JT faisait ses stats tout le temps, chaque saison, à chaque fois depuis qu'il était au GF. Donc voilà, un attaquant comme ça qui mine de rien fait ses stats. Moi, j'en veux pas spécialement à Nani parce qu'il a eu une préparation tronquée et il a été reblessé entre temps. Donc forcément, c'est dur. Moi, je pense très honnêtement qu'il a le potentiel pour être cet attaquant-là. Mais dans l'immédiat, tout de suite, on l'a pas. Donc voilà, je pense qu'on a besoin d'un attaquant qui est capable de venir mettre ses, pas forcément 20 buts. On n'a pas tous la chance d'avoir un charbonnier dans l'effectif et on n'a pas tous les moyens, surtout financiers, voilà, pour en avoir un. Mais
Voilà, au moins un attaquant qui met ses 10-15 buts, parce que mine de rien, nos buts, on s'en sort bien, mais nos buts viennent de secteurs de jeu très différents. On a Ravé qui marque pas mal cette saison, mais voilà, on a des buts qui peuvent venir de Nestor, on a des buts qui peuvent venir du milieu de terrain aussi. Mais on marque très peu dans le jeu quand même. Sur les trois derniers buts, il y a un but dans le jeu, mais c'est Nestor. Il y a un corner de Monfray, il y a un coup franc direct de Ravé. C'est les trois seuls buts qu'on a marqués sur le dernier mois de compétition. Donc on sent qu'on manque d'une vraie présence dans la surface, et je trouve aussi, et je crois que Flo l'a évoqué aussi, mais je trouve qu'on a besoin d'avoir un joueur, donc pas forcément un attaquant, mais je pense plutôt à un ailier ou milieu offensif, qui est capable de percuter, qui est capable de faire des différences aussi pour aller déranger des blocs bas comme celui de Dunkerque, comme on l'a vu samedi, parce que la différence, elle vient aussi de joueurs qui est capable de faire de la percussion. Qui est capable d'amener des dribbles, et qui est capable de déranger un bloc. Et je trouve qu'on n'a pas vraiment ce profil-là. On a le profil de Ravé qui est capable de faire des passes un peu fantasques et qui est capable de déranger des défenses aussi avec cette qualité-là. Pas forcément la qualité de dribble, en tout cas moins cette saison. Diallo peut avoir cette qualité-là, mais je trouve aussi que c'est peut-être un peu plus sur courant alternatif. Donc je trouve qu'on manque d'un joueur comme ça qui est capable vraiment de faire la différence en 1v1, voilà, très clairement. Et peut-être aussi un défenseur central, parce que même si Sylvestre Braque, je trouve aussi, est de mieux en mieux, et ça a été bien dit dans le chat, il a besoin quand même de la présence rassurante des très bons défenseurs que sont Monfray et Nestor. Et si jamais on en perd un des deux au cours de la saison, je pense que ça nous ferait du bien d'avoir un vrai défenseur central d'expérience, même si on sait qu'on peut faire reculer parfois Perez ou Bambok. Je pense que c'est important de garder ces options-là au milieu et d'avoir un vrai défenseur central de métier qui vient s'ajouter à l'effectif du GF. Alors avant de faire le petit jeu de l'effectif un peu plus précis, de l'équipe type en tout cas un peu plus précise, on va faire un petit test avec Kev. Alors nos excuses d'avance, il y a un petit écho. Vas-y Kev. Ouais, vous m'entendez ou pas? Alors on t'entend, mais je pense qu'on s'entend aussi du coup quand on parle. Moi là, parce que tu t'es mis en mute, donc ça peut le faire éventuellement quand tu parles pas, de te mettre en mute et de parler du coup quand c'est toi qui as la parole. Si tu veux, on peut faire comme ça. Allez, on va essayer. Est-ce que tu veux nous faire déjà ton retour sur le match de samedi dernier? Ouais, carrément. Très très bon début de match, j'ai trouvé. Beaucoup d'intensité. Anani qui, ça lui aurait fait du bien, une très très grosse paix. Voilà, j'ai bien aimé le début de match où Dunkerque arrivait quand même comme l'équipe très très solide sur les 5. On a perdu Kev, je pense. Hein. Oui, bah moi je l'entends plus, ouais. Ça a coupé. Oh, y a pas que moi alors. Bon, du coup, on attend. Kev, t'es de retour? Je parle dans le vide depuis tout à l'heure, en fait, laisse tomber. Ça m'escourdine avec mon oreille, laisse tomber, Fred. Ça va être le bordel. Ça va être compliqué, on te dit à une ouais, prochaine. Ça va être compliqué. Ouais, ça va être compliqué. Merci de ton passage, Kev, et à très vite, du coup. Ciao. Oui, alors comme je disais au tout début du chat, pour ceux qui n'étaient pas là, on a mis en place un petit nouveau système qui est pas mal hein, d'ailleurs, c'est Flo et Karel qui m'en avaient parlé. Je crois qu'il y a votre ami d'ailleurs des podcasts que vous faites habituellement qui était sur le chat. Quantinta, je sais pas comment on prononce précisément, qui vous faisait un petit coucou messieurs, je sais pas si vous avez un œil sur le taf. Je crois que ça, je sais pas si tu le connais toi Flo, mais je crois que c'est un pote à moi du lycée ça. Enfin c'est un bon pote à moi. Un bon collègue à moi. Ah d'accord, ok, bah autant pour moi. Je pensais que tu le connais toi Flo? Mais non, c'est Quentin de temps additionnel, c'est Quentin. Ah Pierre. Oui, ok. Oui, oui, je pensais que c'était ça, alors on est d'accord. Hein. Tu sais que j'ai un pote, genre IRL, genre du lycée, dont qui a le même Twitter, donc ça m'a perturbé. Mais oui, c'est lui. Pardon, excusez-moi, je suis à l'est total. Il n'y a pas de problème. Du coup, on va rebasculer sur la petite équipe type. Alors, Maceo demande, Bart devrait revenir quand? Normalement, début 2022. Bonne soirée à toi, Pierrick, à bientôt. Tac, tac, tac. Et Kevin qui dit le podcast le plus court de ma vie. Non, je crois que tu as déjà fait pire, Kevin, au tout début, effectivement, quand tu avais une connexion vidéo un peu compliquée. Mais tu peux d'ailleurs interagir sur le chat, Kev, si tu veux. En matière d'équipe type, revenons à nos moutons, messieurs. Les gardiens, Maubleu, Salès, Bourdel, je pense que c'est bon. On est bien blindés à Grenoble, à moins que l'un de vous ait des envies d'exotisme à ce niveau-là. Ou c'est bon?
Oh, ça va, gardien, c'est très bien. Défense à 3 ou à 4. Alors, toi, tu verrais bien un défenseur central en plus, Karel. Alors, il y a Stralman qui va revenir début janvier. Bon, on a Monfray Nestor qui sont inamovibles. On a Sylvestre Brac. Sur une défense à 3, on peut avoir Neri, du coup, hein, qu'on a vu jouer plutôt avec réussite en défenseur axial. On a vu que Bangbok avait reculé. Bon, alors à Toulouse, c'était pas forcément le meilleur match, mais il y a ce potentiel-là. Et sur des défenses à 4, à gauche, on a doublé. Hein, du coup, on a Gersbach et Abdallah. Et à droite, on a Gaspard et Neri. Moi, défensivement, ça me paraît plutôt cohérent et plutôt bien équilibré. Toi, Karel, du coup, plutôt un défenseur central en plus. C'est toi, Flo. Je dois dire que je savais pas du tout quand Stralman revenait. Mais c'est vrai que si Stralman revient bientôt, c'est pas forcément un besoin urgent. Ça peut être la recrue, effectivement, Bart Stralman, on rappelle qu'il s'est blessé dès la première journée de championnat contre le Paris FC. Je crois qu'il a joué une vingtaine de minutes avant de se déboîter l'épaule, donc on ne l'a pas revu depuis. Flo, toi, défensivement, tu estimes qu'on est bon ou tu verrais bien un joueur arriver? Non, on est bon, hein. C'est juste pour l'été prochain, peut-être un piston droit, mais on peut faire avec jusqu'à la fin de saison. En plus, en termes de hiérarchie, je pense qu'on est à peu près tous aussi d'accord. Défense à 4, Nestor Monfray sont incontournables. Défense à 3, plutôt Nestor Monfray plus Neri et Sylvestre Brac qui est en train de prendre du galon aussi petit à petit. Et sur les défenses à 4, on est plutôt Gersbach devant Abdallah et plutôt Neri devant Gaspard. C'est un peu la hiérarchie que vous partagez aussi? Alors, moi, tout à fait. Moi, un peu moins. Ouais. Je suis sur à gauche, je milite à fond pour Gersbach qui te permet d'avoir un très bon équilibre et qui est super intelligent dans le jeu. À droite, du coup, je préférais avoir un Gaspard qui D'accord. est plus offensif et qui apporterait plus de solutions offensives qu'un Eric qui est très bon. Mais j'ai peur que si on passe sur une défense à 4 avec Gaspard et Neri en latéral, on soit beaucoup trop défensif et on manque de prise d'initiative. D'accord. Alors moi, je parlais plus sur le niveau de jeu actuel. Effectivement, dans l'absolu, je pense que le Gaspard du début de saison dernière, par exemple, est limite intouchable en fait. Mais sur l'état de forme actuel, je voyais un peu plus Neri. Mais tes raisons sont effectivement intéressantes en termes d'équilibre un peu offensif. Le milieu de terrain. Alors là, par contre, on a plus un choix de riche. Quel est votre milieu de terrain idéal dans les deux systèmes, du coup, Karel à 4 déjà au milieu du terrain. Quels sont tes choix pour une équipe type 1? À 4, donc du coup, avec les pistons. Oui. Bah moi, avec les pistons, je mettrais comme. J'aime beaucoup le profil d'Abdallah, mais je trouve. Bah, franchement, entre Abdallah et Gersbach, j'ai du mal à choisir. Mais peut-être que Gersbach amène plus quand même de garanties défensives. Et bah, dans une volonté d'équilibre, j'aurais peut-être plus tendance à mettre quand même Gersbach, même si j'aime beaucoup Abdallah. Donc c'est du 51-49, on va dire. Sur la forme du moment, parce qu'en plus on voit qu'Abdallah en sortie de banc, il peut faire très très mal. Mais peut-être que dans 2 mois, je te dirai Abdallah. Et sur le début de saison, d'ailleurs, je t'aurais dit Abdallah, je pense. Ta réponse, ça peut d'ailleurs être une alternance des deux, en fait. Hein. Soit alternance de match, soit alternance dans le match, en fait. Je pense c'est une réponse en fonction en tant du match, ouais. Si c'est un match qu'on est parti, par exemple, pour dominer au Stade des Alpes, j'aurais peut-être plus tendance à mettre Abdallah. Pour amener du déséquilibre, parce que lui, voilà, la qualité de percussion et d'élimination à 1v1, je trouve que lui, même si c'est un piston, je trouve qu'il l'a peut-être plus que certains de nos joueurs offensifs. Abdallah, je veux dire, donc peut-être que dans un match qu'on est plus parti pour maîtriser, avec peut-être moins d'inquiétude sur le plan défensif, je mettrai Abdallah sur un match plus équilibré, plus compliqué, peut-être à l'extérieur, ou si on reçoit un gros, j'aurais peut-être plus tendance à mettre Gersbach. Ensuite, à droite, comme tu en as parlé, sur la dynamique actuelle, je mets Neri. Et la saison dernière, je t'aurais toujours dit je mets Gaspard. Donc, comme quoi les saisons passent et ne se ressemblent Après, pas. Dans un 3-4-3, tu peux avoir les deux finalement. Tu peux avoir Neri qui joue dans l'axe défensif et Gaspard. Ça Mais a plutôt bien cas, marché d'ailleurs sur certains matchs. Ouais, ouais, en tout cas, en tant que piston, je mettrais sûrement plus Gaspard que Neri parce que je trouve qu'il a plus le profil piston. Mais actuellement, sur la forme actuelle, je trouve que Neri, au niveau de la qualité de centre, c'est quelque chose quand même. Mais dans le milieu de terrain, je mettrais quand même plus Gaspard. Je trouve qu'il a plus le profil. Plus intéressant parce que plus de choix finalement et peut-être plus de hiérarchie marquée. Les deux milieux axiaux, je mettrais Bambok en incontournable, sûr et certain. Et ensuite. Sur la forme, enfin forme de fin de saison dernière, mais peut-être un peu plus compliqué maintenant.
J'aurais peut-être plus tendance à mettre Belmonte, mais c'est un peu plus compliqué en ce moment, même s'il fait 15 grosses premières minutes contre Dunkerque. Mais je vois pas actuellement qui peut lui passer devant, en fait, si Bambock est à côté de lui. Les trois devant, du coup, est-ce que Ravé et Michel ont des petits statuts d'incontournables? Est-ce que tu vois une recrue éventuellement? Et en pointe, bon, j'imagine que vous allez tous me dire une recrue et Anani plus en soutien. Et puis on oublie peut-être Diallo aussi dans tout ça. Quel est le meilleur poste de Diallo dans ce système-là? Enfin voilà, c'est assez compliqué finalement. Bah, moi, pour moi, Michel est intouchable. Flo Michel est intouchable quand il est, comme il l'est actuellement, quand il est fit, quand il est en forme sur le plan athlétique. Je pense pas que quelqu'un puisse lui enlever le poste qu'il occupe actuellement, surtout si Ravé joue en 9,5, 9 un peu reculé qui tourne autour de son vrai 9. Donc je pense que, pour moi, Ravé et Flo Michel ne peuvent pas bouger du 11. Ensuite, en vrai attaquant, pour moi, la question de Diallo ou Anani se pose, parce que je trouve que Diallo a fait des matchs intéressants, mine de rien. Donc j'aurais du mal à lui enlever cette place de titulaire-là. Et pour moi, actuellement, il a plus sa place qu'Anani, je veux dire, sur le plan de la dynamique et de la forme actuelle. Je trouve quand même que Diallo apporte plus qu'un Anani qui manque un peu de confiance. Mais Anani va de toute façon devoir jouer et remarquer pour retrouver cette confiance-là. C'est ça, je suis d'accord avec toi, en fait. Ça peut être intéressant de mettre Diallo titulaire pour le moment et de laisser progressivement du temps à Nani pour revenir déjà physiquement, puisque comme tu as dit, il n'a pas de préparation, il a une blessure, donc il faut le remettre de rythme et lui faire revenir petit à petit, lui faire prendre sa place, le faire entrer en fin de match pour qu'il marque des buts et qu'il reprenne un peu cette confiance-là. Je pense que le remettre titulaire là, maintenant, ce ne serait pas lui rendre service. Ouais, je suis assez d'accord. Bon, on l'a vu de toute manière contre Dunkerque. Peut-être que dans un état de confiance et de forme mentale plus élevé, il aurait mis ce face-à-face-là. Après, il faut trouver le bon équilibre entre le faire jouer, comme tu l'as dit, pour l'aider à retrouver cette confiance-là et ses sensations, et ne pas forcément plus l'enfoncer en le faisant commencer dans des matchs où on sait qu'il va avoir du mal. Après, je crois que ça avait été mentionné aussi dans le chat, mais il y a aussi la question de l'implication qui se pose. On a vu parfois contre Dunkerque, moi j'en avais parlé à Fred, j'avais l'impression qu'il y avait des courses qu'il faisait pas forcément, alors que quand il était rentré en fin de match à Caen, il avait été très 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 besogneux et qu'il était même allé prendre son carton jaune pour empêcher Caen de relancer. Donc je pense que c'est un joueur qui est plein de bonne volonté et qui a envie de bien faire, mais que justement ce manque de confiance le touche beaucoup. C'est pour ça d'ailleurs que pour le moment, je mettrai Diallo tout en l'évinçant pas, bien sûr, et en l'aidant aussi à revenir et à retrouver l'état de forme, un état de forme qui lui permettra d'enchaîner. Je sais plus lequel d'entre vous deux avait parlé tout à l'heure d'un attaquant de rupture et d'un attaquant un peu plus physique. Flo, peut-être, hein, c'est toi qui souhaitais ça. C'est peut-être juste l'occasion de rappeler que dans les profils qui ont été prospectés par le GF38 un peu sur la fin de mercato estival et début septembre, on a donc Pouloulou qui est plutôt dans un registre attaquant de rupture du coup, et qu'on avait l'ancien attaquant de Montpellier, Petar Skuletić, si je prononce bien son nom, qui lui est plutôt un attaquant physique. On arrive plutôt sur ce type de profil que vous souhaiteriez, l'idéal étant peut-être même de faire les deux. Du coup, je pense que dans l'esprit de Mauricio Jacobacci, de toute façon, l'idéal c'est d'avoir deux attaquants, et il l'a dit à plusieurs reprises dans des interviews. C'est ce qui vous semble aussi le top dans l'idéal, dans un monde idéal, ces deux profils-là rejoindraient le GF38 cet hiver. Complètement, ouais. Ouais, ce serait des recrues, ce serait deux très bons profils. Après, je connais pas vraiment les joueurs, enfin, je sais pas ce qu'ils donnent actuellement. Mais ça ferait beaucoup de bien, ouais, je pense. Alors, Skuletić a signé en Azerbaïdjan, donc c'est mort. Pouloulou, on verra s'il est un peu plus motivé par l'idée de venir à Grenoble. C'était plus en termes de profil, en tout cas. Voilà, vraiment un attaquant qui soit plus de rupture, rapide, capable de déborder, de faire des différences en un contre un. C'est ce que j'ai compris que Flo recherchait un tout petit peu. Et un attaquant, voilà, je crois que Skuletić était 1m97 ou quelque chose comme ça. Donc, on est vraiment sur quelqu'un qui va marquer sa présence dans la surface et profiter des bons ballons. Parce qu'effectivement,
notamment sur les centres aujourd'hui, même si Anani a marqué de la tête à Toulouse, je crois que c'est Carrel qui le disait, on n'a pas forcément des attaquants qui pèsent beaucoup dans un jeu comme ça sur des centres et on est plus sur de la profondeur en général avec nos attaquants et pas forcément sur des attaquants un peu pivots qui ont du poids dans la surface. Hein. Je fais un petit tour sur le chat, on salue Kevin d'ailleurs sur le chat, hein, qui est beaucoup plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral sur le podcast. Hein. Il y a moins d'écho. Il nous dit Diallo avec Ravé et Michel, c'est la meilleure animation, je trouve. C'est ce qui a le mieux marché pour l'instant, personnellement. Je trouve aussi, je crois que c'est le match de Pau qui était vraiment très bon à ce niveau-là. Massé nous dit Diallo pour les matchs fermés, mais en déplacement, si j'ai un gros où on risque de subir, j'aimerais bien tenter Enen en pointe. Anani, un ou deux matchs avec la réserve pour avoir moins de pression et plus de confiance, nous dit Hardballer. Bonsoir à toi. D'ailleurs, je suis pas sûr que d'envoyer quelqu'un en réserve, ça soit super bon pour la confiance. Kev qui se moque sur Pouloulou, qui l'adore, qui parle toujours français, hein, Kev, si tu lui reparles sur les réseaux sociaux, d'ailleurs. Hard qui nous dit deux recrues, ça veut dire plus de NN et de Corée. On a oublié quelqu'un, messieurs, peut-être aussi. Et oui, j'étais en train d'y penser. Mais... Et voilà, mais moi aussi, je l'ai complètement zappé dans les calculs. Hein. Il a un problème, il s'est claqué, donc il devrait pas tarder. J'espère qu'il devrait pas tarder à revenir. Ça fait quand même un petit moment là. Je pense qu'il y avait quelques semaines de pause. J'ai cru voir aux dernières nouvelles sur les réseaux sociaux qu'il était à Clairefontaine. Alors je sais pas s'il y a un centre de soins spécifiquement là-bas. Du coup, je sais pas du tout pourquoi il était là-bas, mais pour l'instant, c'était pas programmé. Je sais pas. Je croyais que c'était de l'ironie, moi. D'accord, ouais. Bah, je sais jamais en fait s'il est ironique ou pas. Mais c'est vrai qu'en tout cas, on oublie quelqu'un dans les discussions offensives. Ça peut être, oui, la clairement. Fameuse recrue derrière. Mais à quel poste du coup? Je le vois toujours sur un côté, hein, je ne vois pas en pointe. J'ai cru que tu allais dire je le vois sur le banc, mais. Non, je ne suis pas aussi méchant. plutôt sur un côté, et sachant qu'il a annoncé, alors le problème c'est qu'on ne l'a pas beaucoup vu à Grenoble, il est plutôt annoncé polyvalent, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, je le vois plus sur un côté, un peu en rupture aussi, des choses comme ça. Carrel, toi pareil, plutôt un joueur de côté? Bah ouais, j'ai l'impression, après là, actuellement, c'est. Pour faire rentrer un joueur de côté dans ce système-là, c'est compliqué quoi. On l'a un tout petit peu abordé, je crois que c'est Flo qui parlait notamment sur les milieux, mais vous écrémeriez un tout petit peu ou vous prêteriez éventuellement des joueurs quelque part, parce que pareil, si on continue de recruter les petits jeunes, bah, c'est difficile de faire partir des Bouniakou, des Marchands tout de suite en prêt, surtout qu'il y en a qui sont prêtés, donc c'est pas possible de toute façon techniquement parlant, mais comment vous écrémeriez, est-ce qu'un David Enen par exemple, qui a fait une bonne rentrée mais qui ne montre pas forcément grand chose depuis qu'il est à Grenoble, ça serait pas mieux pour tout le monde qu'il aille trouver un nouveau défi? Bah après, ça va dépendre de s'il peut faire des photos montage avec des matchs retransmis ailleurs. Hein, mais moi, je suis pas contre l'envoyer ailleurs. Et en termes de milieu du terrain, alors je sais que vous avez, enfin c'est difficile parce qu'il joue pas beaucoup, mais est-ce que avec, moi je suis d'accord sur le cas Bambock, effectivement, je pense qu'aujourd'hui il a acquis, même s'il y a un petit coup de mou, je trouve sur les deux derniers matchs, il a acquis quoi qu'à quand il était pas mal, il a acquis sa place de titulaire. J'aimerais bien quand même voir un Manu Pérez à 100%, parce que je pense qu'il a une touche technique en fait qui pourrait être pas mal, notamment quand on a des équipes qui viennent presser un peu plus nos défenseurs sur les relances. Je pense que ça pourrait être vraiment utile. Après le problème. Comme Flo l'a dit, je crois, tout à l'heure, c'est que entre les suspensions et les blessures, depuis un an, on l'a, je sais, j'ai même pas le compte, mais on l'a pas vu énormément, Manu Pérez. Hein. Ouais, moi en fait, Manu Pérez, je trouve que il est différent de Bambock dans le sens où, comme tu l'as dit, c'est au niveau de la touche technique, donc c'est la capacité à jouer peut-être plus vers l'avant et à plus casser des lignes. Parce que je trouve que Bambock est très important parce qu'il amène beaucoup de sérénité. À la fois dans le rythme qui met au jeu, je trouve que voilà, il dicte un peu le tempo, mais voilà, parfois je sais pas si c'est que moi, mais il y a un peu de frustration dans le sens où je trouve que il joue beaucoup vers l'arrière et sur des passes peut-être plus latérales, mais c'est pas forcément son rôle d'aller casser des lignes après, hein, de toute manière. Je pense que si on l'imagine dans un milieu à deux avec Belmont, ce serait plus le rôle de Belmont. Mais je trouve que Pérez, voilà, ça serait une pointe basse plus différente dans le sens où il est plus capable, je trouve, d'aller casser des lignes et de jouer vers l'avant. Donc ça rejoint ton argument de la touche technique. Pour clore le chapitre championnat avant de passer rapidement sur la Coupe de France, je vais joindre un peu les deux dernières thématiques en vous demandant à quelle place
le GF38 pourrait-il prétendre avec un effectif un peu idéal entre guillemets pour vous, c'est-à-dire avec tout ce que vous m'avez dit, éventuellement les recrues que vous souhaiteriez, les joueurs à telle position, etc. À quoi peut prétendre ce GF38 1 Flo, si tu veux commencer. Si tu arrives à avoir les joueurs qui manquent selon toi dans une mesure raisonnable, hein, on n'aura pas Pierre Boya bien évidemment et Gaël Danick, mais voilà, si on arrive à avoir les profils que toi t'estimes un peu manquer aujourd'hui, qu'est-ce que pourrait viser le GF38 cette saison? Juste pour finir sur les cramages du milieu, parce qu'on y j'y pense, mais même si ça ne ferait pas plaisir à Brigitte, je mettrais Duriando en prêt pour l'adapter un peu en France, parce qu'il risque de pas assez avoir de temps de jeu, et je pense qu'il peut, avec du rythme, il peut être intéressant. Donc si on pourrait lui trouver un petit club de national pour qu'il retrouve un peu des sensations, ça pourrait être intéressant pour lui. Et sinon, avec donc une autre Danick et notre Boyage, on pourrait faire un top 7, voire un top 6. Ouais, le top 5 est pour vous, et par rapport à ce que disait Karen notamment, Pascal, tu nous donneras aussi ta réponse, mais il y a une marge avec les équipes quand même qui nous ont battus cette saison, les Toulouse, les Auxerre, les Sochaux, qui c'est que j'oublie d'ailleurs dans ce lot, Toulouse, Auxerre, Sochaux, pour l'instant c'est Le Havre qui est 5ème, on les a pas joués, et 4ème Ajaccio, on les a pas joués non plus, donc c'est plus difficile par rapport à ces équipes. Karen, toi du coup, tu pourrais voir quoi? Ouais, bah par rapport au classement final, moi je trouve qu'avec un recrutement vraiment idéal, je trouve que le top 7, ouais, est jouable, très honnêtement. Après, sur les 5 de devant, je trouve que Toulouse, Auxerre, Sochaux et qu'est-ce que j'oublie ? Paris FC peut-être, qui est plus dans le top 5 aujourd'hui, mais qui reste une belle équipe. Hein. Ah oui, c'est Ajaccio cette saison, pardon. Sont peut-être un peu au-dessus cette saison. Le Havre, pas forcément. Je trouve que les saisons sont différentes, mais même sur les saisons d'avant, voilà, je ne les trouvais pas impressionnants. Mais bon, tu me diras, Ajaccio ne fait pas une saison incroyable la saison d'avant non plus. Mais voilà, je les trouve peut-être un peu plus détachés en termes de qualité que les quatre autres équipes. Donc voilà, je ne vais pas dire qu'on va faire top 5 et qu'on va aller chercher les barrages, même si je suis un éternel optimiste par rapport au GF. Mais ouais, top 6, top 7. Et après, on ne sait jamais. On ne sait jamais, mais voilà, il faut se détacher déjà de derrière pour moi avant de regarder vraiment encore devant. Vous rêvez peu, hein. Moi je pense qu'avec un... Alors par contre, il faut trouver bien évidemment la perle rare, mais avec l'attaquant que vous évoquiez capable de marquer 10-15 buts dans la saison, en conservant la solidité défensive du GF38 aujourd'hui, les 4 points de plus, vous pourrez déjà les avoir et déjà être un peu au coude à coude avec le top 5 en fait. Le Grenoble n'est pas... Je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de lacunes offensives, notamment au GF38 aujourd'hui et au regard du classement. Voilà, un mec qui va être capable de marquer quand on aura peu d'occasions, qui va être capable, hein, pas un charbonnier parce que ça va être compliqué de l'avoir, mais je pense que des attaquants, quand on voit Chukwunte à Dunkerque, on va pas dire que Dunkerque a une plus grosse masse salariale et un plus gros budget que le GF38. Après, c'est une perle rare à trouver, mais alors moi, j'étais optimiste déjà en disant 7e il y a quelques mois en arrière. Je pense qu'avec un attaquant, peut-être Anani hein, ou Correa, qui peuvent être en confiance, on peut vite aller au moins taquiner le top 5. Alors, je vois beaucoup de 6e, 7e place sur le chat aussi, effectivement. Après, c'est tellement serré la Ligue 2 que des fois, on l'a vu l'an passé, de toute façon, en fin de saison, si on perdait à Auxerre, on sortait du top 5 et le match nul nous envoie quasiment de manière certaine en playoff, hein. Mais 5, 6, 7, voilà, au moins être à la lutte en fait pour la 5ème place jusque dans les dernières journées, je pense que c'est pas complètement inabordable pour CF38. Par contre, il va quand même falloir marquer un peu plus de buts. Hein. Kevin nous dit les rêves, c'est la nuit, Fred. Ah, vous êtes en mode. Moi, je trouve pas ça complètement irréaliste. Hein. Je trouve que la Ligue 2 elle est tellement pleine de surprises, oui, que bah, et c'est aussi tellement une question de dynamique qu'on peut se retrouver aussi dans une position où en janvier, février, début 2022, on regardera plus du tout au même endroit que ce qu'on regarde maintenant. On verra aussi si on encaisse mieux l'hiver que les saisons précédentes avec une pelouse en meilleur état, mais les conditions d'entraînement resteront difficiles quoi qu'il en soit, donc ça peut être une donnée. Hard dit un truc très juste sur le chat, Dijon va revenir. Alors moi j'y croyais beaucoup après le match contre nous parce que je les ai trouvés vraiment très bons pour le coup. Au final ils ont fait nul à domicile derrière et défaite à Ajaccio, donc ils sont encore un peu convalescents, mais par contre sur ce qu'ils ont montré à Grenoble, très clairement j'en fais un candidat au top 5. Maintenant, s'ils continuent de perdre beaucoup de points, ça va devenir de plus en plus difficile pour eux d'y prétendre. Hein. Mais ouais, je vois plus un Dijon qu'un Le Havre, par exemple, se mêler au top 5 jusqu'en fin de saison.
On passe à la dernière petite thématique, messieurs. Samedi, vous le savez sans doute, c'est Coupe de France pour le GF38 qui entre en lice au septième tour. Tout simplement, la question va être qu'est-ce que peut espérer le GF38 de la Coupe de France cette saison, Flo? Une demi-finale contre Monaco, comme d'hab. Demi-finale contre Monaco, comme d'hab. Non, c'est une petite blague, non. Pour de vrai, c'est déjà, je me méfie beaucoup de ce match samedi, puisque c'est le match piège par excellence. Moi, je suis sur un synthétique contre une équipe qui va être motivée à bloc. Honnêtement, je ne suis pas super optimiste. On risque de beaucoup galérer et de gagner à l'arrache. Cette année, je trouve qu'on peut peut-être faire un meilleur parcours que la saison passée. On avait vraiment gambardé la coupe puisqu'on était premier du classement à l'époque et on voulait jouer le championnat à fond. Là, il y a moins d'enjeux en championnat, donc on peut se permettre de dépenser plus d'énergie sur la Coupe de France. Et j'aimerais bien nous voir aller éliminer une Ligue 1 pour le rêve et puis s'arrêter en 8e, 7e de finale, quoi. Mais voilà. Je te trouve sévère sur l'an passé, parce qu'on a quand même été sortir Clermont à Clermont, avec une équipe bis des deux côtés, mais que le tirage nous a proposé Monaco, qui était plutôt en forme de mémoire à cette époque-là de l'année. Je crois qu'Hinchberger avait même dit que le GF38 était l'équipe qui avait pris le moins de buts contre Monaco en 2021. Donc après, on est quand même très dépendant, malheureusement ou heureusement, des tirages. Donc toi, tu t'es plutôt en mode la jouer à fond dans tous les cas de figure. La question, c'était aussi, est-ce qu'on fait tourner sur les premiers matchs pour donner éventuellement du temps de rythme, tu vois, par exemple, à certains joueurs qui manquent. On parlait de Rayondo tout à l'heure, on peut parler de Kokredze. Est-ce que ça peut être aussi un intérêt à ce niveau-là? Je pense que oui. De toute façon, surtout au milieu de terrain, j'aimerais bien voir des Bunjaku, des Marchands faire un peu plus de temps de jeu, à Kokredze se relancer. Il va falloir donner du temps de jeu à ces joueurs, et puis je pense que ça va être les responsabiliser, leur dire, écoutez les gars, on va pas beaucoup jouer avec vous cette saison. Si vous voulez jouer, donnez-vous à fond et puis montrez que vous voulez jouer plus de matchs et vous voulez gagner votre place pour la Ligue 2. Donc cette compétition, ça peut vraiment être un exutoire pour les remplaçants et nous permettre de peut-être de voir des nouveaux joueurs et puis de donner de la confiance à des jeunes qui ont parfois un manque de rythme, un manque de temps de jeu. Donc complètement, ouais, il va falloir faire tourner, mais je pense qu'il faudra aussi encadrer ces joueurs-là avec des titulaires, des valeurs sûres. Donc pas trop faire tourner en défense non plus, et puis en attaque, on peut relancer Nani déjà, ça pourrait être pas mal. Alors Kev, lui, nous dit une affiche au Stade des Alpes et c'est tout. Pourquoi pas un petit OL, hein, ou un petit Paris Saint-Germain, ou un petit Saint-Etienne. Effectivement, ça pourrait... L'an passé, il y a eu Monaco, mais on rappellera aussi que c'était à huis clos et qu'on n'a pas eu finalement d'affiche au sens propre du terme qui permette de réunir du monde au Stade des Alpes. Et Maceo, lui, nous dit, un peu comme toi, Flo, hein, aller donner de la confiance à des Anani, des Bouniakou, des Kokredze. Karel, avant de te poser la même question, juste rappeler que ce samedi, le GF38 affronte Saint-Cyr-Collonges au Mont d'Or, une équipe de Régional 3. Alors Régional 3, pour situer un peu, c'est le niveau de l'OCM1, ou c'est le niveau de l'équipe 3 du GF38. Par contre, cette équipe de Saint-Cyr, il faut aussi rappeler qu'elle est première de sa poule avec 5 matchs, 5 victoires, hein, et que donc c'est plutôt du haut du panier du Régional 3. Il y a 6 niveaux d'écart avec Grenoble, et qu'on connaît aussi déjà l'éventuel adversaire au 8e tour. Puisque si Grenoble passe, il affrontera soit Vichy Régional 1, soit Andrézieux National 2. Donc encore une fois un adversaire hiérarchiquement inférieur, avec match à l'extérieur aussi forcément. Et qu'au tour suivant, si Grenoble venait à passer, il y a l'entrée en liste des Ligues 1. Donc ça peut aller assez vite pour avoir une affiche. Voilà. Comment tu envisages, toi, Karel, cette Coupe de France? Je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit, que ce soit par vous ou dans le chat. En fait, moi, je pense aussi qu'il faut faire tourner, donner de la confiance, mais pas aller chercher des joueurs de la réserve, en fait. Voilà, essayer vraiment de donner du temps de jeu et de la confiance aux joueurs qui sont souvent dans le groupe. Forcément, je pense à Kokredze, mais je pense que c'est le genre de match qui peut lui faire du bien. Mais voilà, aussi les autres jeunes comme Bunjaku, peut-être... Ouais, Marchand, même si on le voit quand même de moins en moins, j'ai l'impression. Et donner de la confiance à ces joueurs-là, essayer quand même d'aller chercher une qualification, même si c'est la Coupe de France, c'est jamais facile, et aller jouer chez des équipes comme ça, même si c'est des divisions assez basses, c'est jamais facile, parce qu'elles vont jouer leur va-tout, ça va être très clairement, enfin, si je le dis en toute humilité et sans être hautain ni quoi que ce soit, mais elles vont jouer le match de leur vie, et elles ont bien raison. Et c'est pour ça aussi que c'est important, je pense, de faire tourner et de mettre des joueurs qui ont un peu moins de temps de jeu, qui seront peut-être un peu plus concernés, on va dire, et peut-être un peu plus motivés que des joueurs qui jouent
tout le temps en Ligue 2 et auront peut-être un peu plus de réticence à jouer ce genre de match-là. Et je pense que voilà, ça peut redonner la confiance dont certains joueurs ont besoin. Et voilà, je pense aussi clairement à Nani, à qui ça ferait du bien de mettre peut-être un but, deux buts dans un match quand même, qui compte. Et j'aimerais bien, moi aussi, voir une petite affiche au Stade des Alpes contre une Ligue 1. Ça peut être sympa, ça peut amener du monde. Et après, qui sait, hein, il suffit de passer un tour contre une Ligue 1 pour se prendre à arriver. Donc voilà. Quelques petites infos d'ailleurs sur le match de Coupe de France. Flo l'a dit, il a parlé du fait que ça jouerait sur un synthétique. Le coach de Saint-Cyr m'a même dit un synthétique pas très joli, donc compliqué à jouer. On peut aussi rappeler qu'il n'y a plus de prolongation maintenant en Coupe de France jusqu'à la finale. Donc ça veut dire concrètement qu'il faut faire la différence dans les 90 minutes. Et sur cette équipe de Saint-Cyr, alors c'est une équipe de Régional 3. Par contre, cet été, ils ont recruté Charvet qui était à Saint-Priest en National 2. Ils ont recruté un joueur aussi qui était en R3 mais qui a joué notamment avec la réserve de Saint-Etienne, avec Olyonnais en National 2, National 3 il n'y a pas si longtemps que ça. Leur gardien, c'était le troisième gardien algérien lors de la Coupe du Monde 2014, qui arrive là-bas un peu en fin de carrière du coup, mais bon, qui a quand même son petit niveau. Donc oui, je suis d'accord sur le côté méfiance pour samedi. Il faut être très prudent. J'étais en train en même temps que vous parliez de regarder un peu l'effectif du GF38 qui est conséquent, hein. On n'est pas loin de 25-26 joueurs au total professionnels. J'étais en train de regarder qui pourrait avoir du temps de jeu. Alors, Esteban Salles dans les cages, je pense qu'on est à peu près tous d'accord que c'est sa compétition, surtout vu le niveau qu'il a montré en fin de saison dernière. Ouais, clairement, ce serait mérité. Et puis avoir peut-être Bourdel aussi dans le groupe. Alors, normalement, Bourdel devrait jouer avec la réserve parce que la réserve a un très gros match contre le leader Annecy dans son championnat. Ah, il joue en même temps. Ouais, okay. Donc je pense que là, par rapport à ce que tu disais sur la réserve, je pense qu'elle sera pas dépouillée aussi parce que ils ont aussi un objectif, eux, qui est de monter en National 3 et qu'ils joueront, la carte à fond. Donc Salès, ouais, effectivement, ça me paraît assez cohérent. Puis je pense que c'est ce qui sera. Je vois mal Esteban Salès ne pas jouer samedi. Sauf petit souci musculaire. Il faire souffler un peu Mobley aussi. Oui, en défense, c'est un peu plus compliqué par contre, hein, notamment. Alors, je pense qu'à 3 dans l'axe, ça va être très très difficile, mais si on joue à 2 dans l'axe, il faudra faire jouer soit Monfray, soit Nestor, je pense. Peut-être Sylvestre Braque, effectivement, 90 minutes, ça me semble cohérent. Sur les côtés, peut-être faire jouer ceux qui n'ont pas joué la dernière fois ou qui jouent un peu moins, donc Abdallah Enery ou Abdallah Nestor si on joue à 4, c'est aussi un peu votre point de vue. Ouais, bah Abdallah, moi, totalement. Après, Neri, à voir, parce que je crois qu'il revient encore doucement de blessure. Il n'a pas joué énormément de minutes depuis qu'il est revenu, donc attention à ne pas avoir de rechute sur un match qui est quand même moins important qu'une échéance de Ligue 2. Surtout sur un synthétique. Surtout sur un synthétique, tu fais bien de le préciser. Après, au milieu du terrain, c'est peut-être là où il y a possibilité de faire jouer un peu plus de monde qui ne joue pas beaucoup. On peut penser à De Riondo, par exemple, à Kokredze. Alors Perez, pareil, sur un retour, je suis pas sûr qu'il soit apte, mais un retour sur synthétique, je suis pas sûr que ça soit la meilleure idée non plus. Mais De Riondo, Kokredze, éventuellement Cissé aussi, qui a moins joué, qui a pas joué d'ailleurs, qui est pas rentré en jeu, je crois, samedi dernier, mais qui peut tout à fait rentrer dans une rotation du coup assez cohérente. C'est vrai qu'il y a Bouniakou, il y a Marchand, finalement, je au milieu du terrain. Plus justement Bouniakou, ouais. Bouniakou, De Riondo. Bouniakou que De Riondo. Ouais. On pourrait quasiment aligner que des milieux de terrain en fait, c'est assez impressionnant à ce niveau-là. Plutôt Bouniakou que De Riondo, même pas les deux. Non, moi les deux. Non, moi ça serait les deux. Moi c'était plus Bouniakou que De Riondo. Après, parce que je suis pas fan de De Riondo. Mais c'est et pas tu ferais jouer qui, Flo, avec on repartirait sur un 4-3-3 pour que ça soit un peu plus équilibré en termes de force en présence. Ah, lui, je crois qu'il était pour les deux, lui. Ouais, mais ouais, le troisième milieu, du coup. Alors, le troisième, bah pourquoi pas un Marchand. Ouais. Et on fait un 4-2-3-1. D'accord. Et du coup, devant, vous verriez qui? Parce que pareil, pour faire tourner, c'est un peu plus compliqué devant, sachant que Joris Correa sera pas apte. Olivier Boissy, on n'en a pas parlé aussi, mais ça peut être aussi l'occasion de le relancer. Plutôt, vous étiez plutôt Anani, vous, pour le mettre en confiance. Hein. Ouais, pourquoi pas Boissy sur un côté, du coup. Et on rappelle que David Hennen n'est pas là, hein, bien sûr. Il est en sélection, donc Grenoble doit faire sans David Hennen aussi. Donc, ce serait, si on joue à 3 devant. Si on joue à 3 devant, ouais. Enfin, 4-2-3, du coup. J'aimerais bien voir Kokredze, moi, sur un côté, pour voir. On peut avoir Boissy sur un côté, Kokredze sur l'autre, et Anani effectivement en pointe derrière. J'aimerais bien le voir à gauche, parce que en tout cas dans les vidéos de match qu'on voyait, ça avait l'air d'être quand même son truc de partir du côté gauche et de rentrer sur son pied droit, donc j'aimerais bien le voir dans ce schéma-là, dans un match avec la une. Et un côté gauche, Abdallah, Kokredze, ça peut être intéressant à voir. On va voir comment ça combine. Kokredze, de toute façon, il a besoin de temps de jeu.
très clairement sur ce type de joueur-là. Il a besoin de jouer avec l'équipe 1, hein, j'entends, parce que la réserve, c'est du temps de jeu, mais c'est toujours un peu plus compliqué pour un joueur. Il a besoin de temps de jeu avec l'équipe Fagnon. J'imagine mal, comme pour Esteban Sales, j'imagine mal qu'Okretze ne pas avoir du temps de jeu sur le match de samedi. Je pense que c'est un joueur qui fonctionne beaucoup, enfin, du profil qu'on voit, peut-être. Je pense que c'est un joueur qui marche beaucoup à la confiance. Et on voyait aussi dans les photos d'après-match contre Dunkerque qu'il avait quand même l'air beaucoup plus souriant. J'ai failli ironiser sur le fait qu'il avait le sourire, mais effectivement, c'est jamais anodin en fait de voir un joueur qui est heureux tout simplement en fait et qui s'en épanoui sur ce type de joueur offensif en plus qui fonctionne sans doute plus à la confiance. C'est des sensations, hein. Mine de rien, il rentre dans un match à 0-0, il y a but à la 93e, même si voilà, il y avait 4000 spectateurs, ça faisait du bruit. Je pense que ça lui fait du bien de vivre aussi ce genre d'ambiance et ce genre de scénario. Et voilà, pourquoi pas aller chercher une petite passe d'air, un petit but samedi. Je pense que c'est quelque chose qui peut lancer une saison, même si ça paraît pas grand-chose contre une R3, mais on sait jamais ce qui se passe dans la tête des joueurs et le déclic que ça peut amener. Et puis il aura un face-à-face géorgien qui lui fera plaisir aussi. C'est ça, effectivement. Vous pouvez aller lire l'article sur le troisième géorgien passé au GF 38-1. Sur Grenoble Foot Info, bien sûr. Messieurs, tout doucement, c'est 18h15 hein, quand même, donc le temps est bien passé, même si on voulait faire un peu plus vite ce soir. Flo, petit entraînement dans la foulée ou soirée un peu au chaud ce soir? Non, l'entraînement est vendredi, donc soirée au Stade des Alpes pour voir William Saliba. Ah, j'y viens. Ah, trop bien. Qui sera capitaine, du coup, visiblement, en plus. Hein. C'est ça. Le joueur de l'Olympique de Marseille, on rappelle que t'es un grand fan de l'OM, pour les gens qui ne te connaissent pas. Pierrette, je sais que tu seras toi aussi au Stade des Alpes. Je sais pas si certains d'entre vous dans le chat seront au Stade des Alpes. Un petit prono, messieurs, pour l'équipe de France Espoir Arménie, pour finir la soirée et parler d'autre chose que du GF 38-1. Vas-y. En tant que spécialiste de l'Arménie Espoir, j'ai vu tous leurs matchs, je peux te dire parfaitement ce qui va se passer. Je vais prendre une victoire de la France 2-0. Voilà. Moi, je dis 3-0, triplé de Cherki. Voilà. Moi j'allais dire 3-0 aussi, et je vois bien un petit doublé de Kalim Wendo et un but de Cherki. Bon, a priori, il n'y a quand même pas trop de suspense vu l'écart de niveau entre les deux équipes, même si l'entraîneur de l'équipe de France Espoir suscite parfois quelques colibés, notamment de podcasteurs sur Métrosport que je ne citerai pas. Ce n'est pas mon genre, en tout cas. Je condamne fermement ce genre de propos. C'est vraiment pas de qui tu parles, en tout cas, voilà. C'est sûr qu'il n'est pas là. Quoi. Mais oui, ça m'étonnerait, on ne l'aurait pas toléré parmi nous. Merci beaucoup à tous les gens qui étaient dans le chat et qui ont encore été très actifs, qui ont bien participé. Je m'excuse si j'ai raté quelques messages, du coup... tout à l'heure. Kevin, on espère que la prochaine fois tu seras bien au chaud chez toi, comme ça tu n'auras pas besoin de mettre le haut-parleur et on n'aura pas l'écho pour que tu nous dises un peu tes sentiments sur ce GF 38 qui doit te faire plaisir en ce moment, au moins en termes d'état d'esprit. Et puis on se retrouve tous très très vite. Merci encore, passez une bonne soirée et à bientôt.